Salut, aujourd'hui, pourquoi la Jazz Master? Donc, suite de la série Pourquoi la point d'interrogation, j'avais fait la Strat, la Jazz Master, la Mustang, donc maintenant la Jaguar. Bon, l'avenir, j'espère faire aussi la Telecaster, mais bon, j'en ai plus en ce moment, mais j'aime bien la Telecaster. Et bah, j'aime bien les Gibson aussi, d'autres types de guitares. Voilà, donc c'est une série où c'est très, très personnel en fait. Je dis ce que j'aime sur la guitare, mon histoire par rapport à ce modèle. Donc voilà. Bon, avant un petit descriptif quand même de la Jaguar. Donc c'est une guitare qui est parue en 62. C'est une off dans la série Offset, donc suite à la Jazz Master. Offset, ça veut dire que c'est désaxé de là à là, contrairement à une Strat où c'est dans l'axe. Ce qui donne une position assise différente à la guitare. On a l'impression que la guitare est plus haute et un peu plus par là, à gauche. Et c'est beaucoup plus confortable en fait. Des fois, quand ça fait un petit moment que j'ai pas joué ma Strat et que j'ai joué que des offsets, j'ai du mal, j'ai un peu de mal. Et en fait, donc comme la Jazz Master, elle a le même type de vibrato, qui est pour moi vraiment le meilleur vibrato qui existe, mieux que le Bixby. Bon, c'est mon opinion. Donc, contrairement à la Jazz Master, elle a un diapason court, ce qui donne un son un peu plus dark comme la Mustang. Elle a deux micros simples comme la Mustang. Et sa particularité, c'est tous les réglages en fait. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, en termes de son, elle est beaucoup plus proche de la Mustang. Donc, j'ai fait une vidéo juste avant. Où je les compare toutes les deux. Normalement, la Mustang a moins de niveau de sortie et un son plus sombre, mais j'ai mis des micros un peu plus chauds sur ma Mustang avec des potards avec moins de résistance. Du coup, c'est vraiment très 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 proche dans le son. L'autre différence, c'est qu'elle a des les micros ont des mâchoires autour, donc les mâchoires permettent d'avoir un signal plus concentré, donc elle a un son beaucoup plus piquant, la Jaguar. Et donc en termes de son, c'est beaucoup plus proche de la Mustang que de la Jazz Master, c'est souvent on les compare. C'est vrai que je pense, bah dans toutes mes vidéos, vous allez trouver des vidéos comparatives et vous allez voir, ça sonne assez différent par rapport à une Jazz Master. Donc en commun avec la Jazz Master, le corps et le cordier, le vibrato, quoi. Donc voilà, et alors moi j'aime beaucoup sur la guitare. C'est le diapason court en fait, qui permet d'être quand même plus rapide, plus sympa à jouer. Bon, l'offset, donc plus sympa aussi assis. Et le son bien claquant, mais qui ça reste assez sombre. Voilà, et les différentes positions qu'on peut avoir ici. Ah, peut-être un incontournable avec la Jaguar. C'était peut-être la première fois que j'ai dû voir une Jaguar. C'était dans le clip Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers. Donc, peut-être on va la jouer. Voilà. Et donc, ça fait aussi écho aux vidéos que j'ai faites sur la Jazz Master et la Mustang. C'est j'étais dans les années 90, j'étais à fond dans tout ce qui est dans le rock alternatif, le grunge et tout ça. Donc, j'ai connu donc la Jaguar, la première fois que j'ai vu, j'ai connu ça aussi, donc les Red Hot, mais aussi avec Nirvana, bien sûr, et Sonic Youth pour la Jazz Master et tout ça. Et après, en fait, je me suis mis quand même à fond dans la surf musique. Et la Jaguar excelle dans ce style-là et tous les trucs genre spaghetti western et compagnie. Ce qui a un son, donc en bridge, a un son beaucoup plus assez agressif en fait, mais très 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 fin. Et quand on met cette position-là qui est le coupe-bas,
fait encore plus quoi ça. Par exemple. C'est vraiment parfait pour ça quoi. Et ce que j'aime aussi dans sa configuration originale comme ça, c'est position les deux micros comme sur la Mustang. Je trouve ça assez joli le son, ça donne quelque chose un peu de lo-fi ou de je sais pas, une certaine beauté. Position de micro, il y a Sign and So des Weezer qui était enregistré avec une Jaguar. Ça. Donc voilà, donc moi j'aime bien la Jaguar dans sa configuration originale et pas forcément pour le côté grunge de la Jaguar pour le gros son, donc c'est possible comme Kurt Cobain, mais il faut vraiment mettre des micros doubles, des hot rays ou bien ou des doubles Kurt Cobain. Voilà quoi, j'aime bien son son claquant et tout ça. Donc après, elle était aussi pas mal utilisée. Dans par exemple, tous les fans des Smiths et de Joe Dimar pour un son très très cristallin et tout ça, mais moi c'est vraiment le côté surf 60s que j'aime. Et aussi en fait mais j'aime bien aussi faire de la noise aussi avec la Jaguar, parce que c'est très, le son est tellement très clinquant que c'est c'est un côté horrible qui est bien. Par exemple, vous voyez les Jaguars dans les débuts des Ramones et dans A Place to Bury Strangers, donc des groupes que j'aime beaucoup. Et utiliser le micro simple de la Jaguar. Puis on va terminer là-dessus, quoi, avec un petit peu de noise.